Comme annoncé, Arthur a été décoré de la Légion d'honneur ce jeudi 8 juin 2023. Nicolas Sarkozy la lui a remise au Sénat et une partie de la grande famille de TF1 était présente pour ce grand moment. Arthur a décidément le vent en poupe. Alors qu'il est attendu ce vendredi soir sur TF1 pour présenter le tout premier numéro de sa nouvelle émission, Zouil, le cercle des 7 qui a pour concept de faire s'affronter des célébrités avec des anonymes dans un test de culture générale, l'animateur a été décoré la veille de la Légion d'honneur. La nouvelle avait été annoncée mercredi par BFM TV. Nos confrères précisaient alors que 200 personnes seraient réunies pour rendre hommage au mari de Maréva Galanté, dont les personnalités Elise Moon, Jean Reno ou encore Lynn Renault et Franck Dubosc. CIST également sa famille de TF1, mais aussi des dirigeants de France TV et M6 qui est venu le soutenir pour ce bel événement. En effet, en story Instagram, Camille Combal a indiqué sa présence au Sénat de Paris où les festivités ont débuté à 18h. Le mari de Marie-Thérèse Stéphanie s'est dévoilé en vidéo, aux côtés de Denis Brognard et de l'homme du jour. Bravo Arthur. Cette classe. A-t-il commenté. Dans une vidéo suivante, Camille Combal s'est amusée d'un détail inattendu relevé au Sénat, le plafond quelque peu vétuste. Bon par contre, petit dégât des eaux au Sénat, il faut avertir la copro, a-t-il lâché avec humour. Une photo postée par Elise Moon montre par ailleurs Arthur en train de prononcer son discours, devant un Nicolas Sarkozy souriant, voir notre diaporama. Car, Jacques Essebag, le vrai nom d'Arthur, a reçu sa décoration de la main de l'ancien président de la République, lequel était accompagné de sa femme Carla Bruni Sarkozy pour l'occasion. Un conseiller d'Emmanuel Macron confie que si est le présentateur télé qui a choisi lui-même l'ancien président et a mis pour lui remettre la décoration, avait souligné BFM TV. Si est une grande fierté pour Nicolas Sarkozy de décorer Arthur dont le parcours est le symbole du mérite et de l'abnégation, a rapporté l'entourage de l'homme politique. La première dame Brigitte Macron était elle aussi de la partie. Il fêtait également ses 30 ans de télévision ce jour-là. Rappelons qu'Arthur avait eu la surprise le 1er janvier dernier d'apprendre qu'il figurait parmi la nouvelle promotion civile de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est un immense honneur. Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi, réagissait-il à ce moment-là à travers un post Instagram.